Bonsoir. Je vous invite à suivre la ligue de défense depuis le Burkina Faso. Nous sommes devant le camp Cambouessé, là où se situe l'armée française. La population est déterminée. La population est venue pour dire à l'armée française de se désoler, de se déloger, de quitter le territoire. Vous pouvez suivre en direct avec nous. La population est de négocier avec l'armée. L'armée demande le retour immédiat de la population, mais la population refuse. Ils sont en concertation. Les leaders sont en concertation avec les forces de défense et de la sécurité. Voilà, je vous invite à suivre ça directement. La population est déterminée. La population a dit non, la France doit partir. Non, la France doit partir. Nous sommes devant le Cambouessé. Vous pouvez voir comment ce qui se passe. La population est déterminée. La population refuse de partir. La population est décidée. C'est un vendredi décisif pour la population burkinabée. Tout le Burkina est debout. Tout le Burkina est debout. Tout le Burkina refuse. Tout le Burkina dit la flamme est quittée. Tout le Burkina est debout. Comme un seul homme. Tout le Burkina est debout. Ils sont en train de terminer. Lève de Toba Sankara. Ils sont en train de terminer. Lève de Patrice Lumumba. Et voilà, ils sont en train de terminer. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. L'armée aussi est là pour la sécuriser. Mais il n'y a pas de négociation. Ils sont en train d'insister. Une pression qui se passe entre la population et l'armée. Suivez ça en direct. C'est pas facile. Suivez ça en direct. La population est déterminée. La population passe à l'armée nationale. Face à l'armée républicaine. La population, comme slogan, dégagez, quittez, l'armée française, quittez, laissez notre Burkina Faso libre. L'armée est venue laisser des piliers. On ne sait pas ce qui va se passer, mais la population est décidée. La population refuse de repartir. Ils ont dit que tant que l'armée française ne dégage pas, il faut toujours rester, quel qu'en soit l'air. Écoutez. Bonsoir madame, depuis maintenant que vous êtes en train de faire cette lutte, vous avez quel message pour nous? Vous êtes devant le camp Cambouessé, vous avez quel message à passer? La France doit partir. Donc vous avez un seul message, la France doit dégager, la France doit partir, mais pourquoi? La France, il ne nous sert pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation, la France doit partir. La population est décidée. Oui, que la France parle. Ok, merci. Merci. Même les enfants sont invités à la lutte. Le Burkina est debout. Aujourd'hui, le Burkina est debout. Le Burkina est debout avec une seule phrase. La France doit partir. Le camp Bila Zagré, quel est le camp
Camboisé, n'osez pas l'arrière français. La population depuis la capitale, du palais Mohonaba, en passant par l'ambassade de la France, et ils sont retrouvés devant le camp du Lézardé, plus de 10 km, que la population a décidé d'entrer le message à l'arrière français. Avec un seul mot d'ordre, l'arrière français doit dégager. L'arrière français doit quitter. Je vous invite à soutenir directement. C'est pas facile ici au Burkina Faso. Un point en partie de la population. La population ne recule pas. La population est décidée. La population est décidée. De se contester avec l'armée loyale burkinabé. La population décide que les soldats français quittent immédiatement les camps camoisés. Les leaders sont en train de se concerter avec les chefs de l'armée burkinabé. Aujourd'hui, c'est un jour définitif pour l'armée française de quitter le Burkina Faso. La population est décidée. Tant qu'ils ne quittent pas, ils ne vont pas bouger. C'est un bras de fer entre la population et nos forces de défense et de sécurité. C'est un bras de fer. Ça pour nous, qu'est-ce que vous avez pour ce soir? Oui, oui. Nous sommes là pour dire non à la France. Nous sommes devant les communautaires pour les supplier de quitter. Même si nous allons faire un mois ici, nous, on ne va pas quitter tant que l'armée française ne dégage pas. C'est que moi je veux dire, aujourd'hui, ça fait des hommes avec nous, c'est bon. Ils ne bougent pas. D'ici une semaine, si vous allez revenir, si vous allez revenir, si vous allez revenir, ils n'ont qu'à chercher les jeunes. Les troisièmes sorties. S'il veut, l'homme va décider aussi. La population va rentrer. La population va franchir la porte. On va aller les déloger. Les forces pour le gré. Ici une semaine. Si c'est aujourd'hui, la population est décidée. La population de Thomas Sankara. Ils sont décidés. La population est décidée. Il y a l'armée qui
arrive, la population va céder. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un convoi de l'armée nationale qui est là, qui a même venu. On ne sait pas ce qui va se passer. On dit, les gens aiment un message. Voilà, la population est décidée. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais la population est décidée. La population est décidée. C'est pas facile. Ici au Burkina Faso, ce soir du vendredi, 18 novembre, la population est décidée comme un seul homme. La population refuse la négociation. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, pourquoi vous êtes là ce soir? Moi je parle Sankara Karzoum Damien. Moi je suis là au Cameroun, je suis de Cameroun, je suis là. Je suis devant les camps camerounais. Pour que la langue française puisse quitter. Nous ne veut pas le français. On ne veut pas la France. Nous sommes mécontents. On ne veut pas la France. La France n'est pas dégagée. La France n'a plus de. La France ne sert plus. Non, non, non. Ici. Les guerres de la France, les guerres de la France. Voilà, nous ne voulons pas les France ici. Nous voulons les guerres, les France là. Il n'y a qu'à guider chez nous pour qu'ils aient à l'essayer là. Voilà. C'est que nous voulons. Nous ce soir. Voilà, tout le monde nous là. Ce soir là. Hein? Voilà, tout le monde nous là. Tout le monde nous là. C'est pour dire que la langue française ne veut pas quitter. Hein? Voilà. On les donne son budget de documentant. Ce qui part, on va venir les déloger de France. Voilà. La calaiser le pays. Nous n'avons pas fatigué. Nous venons la Russie. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Yeah.
c'est pas la négociation. Merci. Voilà, tout ce monde est venu depuis le centre-ville pour venir déloger l'armée française. La population fonce à la grande porte
On ne sait pas ce qui va se passer, mais l'armée en train de se préparer, les gars. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. L'armée est en train de se préparer quelque chose. On ne sait pas ce qui va se préparer. La population s'approche à la grande porte. Le danger est risque. La population est révoltante. La population persiste. La population est déterminée. La population vient de franchir la barrière que les gendarmeries avaient placée. La population est en train de diriger. Dans la population est devant la grande porte du Kakamoïse. L'armée est repliée. La population est foncée. La population est en train de diriger la grande porte. On ne sait pas ce qui va se passer. La population est dérangée. La population persiste. La population, il y a des éléments qui sont dans le camp. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais les gens qui sont dans le camp. La population vient de franchir la grande porte du camp. La population est dans le camp. La population est rentrée. La population burkinabé est rentrée. On ne sait pas ce qui va se passer, mais la population vient de rentrer. On ne sait pas ce qui va se passer, mais la population vient de rentrer. On ne sait pas ce qui va se passer. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Nous vaincrons. La population est rentrée. La population est rentrée. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. La population vient de franchir une grande étape. La population vient de rentrer dans le camp de Moïse. Voici. Le service de renseignement du camp. La population dirige toujours. La population dirige toujours. La population est déterminée. La population dit non. Ils ne vont pas les partir tant qu'ils passent leur message. La patrie ou la mort. Nous la patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci. On ne sait pas ce qui va se passer, mais la population est rentrée. La population passe à l'armée française. Une grande foule de vent. Décidé comme un seul homme, la population de Thomas Sankara, la population de Patrice Lumumba, les panafricains, ils ont décidé ce soir, tant qu'ils ne renoncent pas l'armée française, ils ne vont pas quitter le camp camboïsé. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La population passe à l'armée française. La population est déterminée. Ils sont en train de dire. C'est la libération de l'Afrique. L'Afrique a besoin de libération. L'armée française, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes des criminels, vous êtes des terroristes. On n'a pas besoin de vous en Afrique ici. Comme ça, il y a un français qui est on a dit qu'on n'est pas là. On ne sait pas ce qui va se passer à un instant, mais la population est dans les camps comme Moïse. C'est une décision finale pour la population. Soit ils délogent l'armée française, soit ils restent ici. Voilà, le français n'a pas le terrorisme. Le terrorisme est français. Le français n'a pas le terrorisme. Vous pouvez voir. Nous sommes au milieu. Frère de gazeux. Nous voulons notre liberté, notre indépendance. Voilà les messages qui sont en train de se passer. Voilà. Nous ne veux plus la France. Les terroristes sont français. Ce sont les terroristes. Nous ne veux plus la France. Voilà. Nous veux la France. Merci. Voilà. C'est pas facile ce soir. Mais la population a un seul mot. L'armée française
de quitter le cancan Moïse. La population est dans le camp, en train de diviser, là où se trouve l'armée française. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais la population est déterminée. La population refuse. La population refuse les négociations. La population refuse. La population française, à quelque part, de là où se trouve l'armée française. Je vous invite à connecter, car c'est une décision finale. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais la population décide de passer leur propre message. Nous sommes dans le camp. La population contre l'armée française. C'est pas ce qui va se passer, mais ça sera pas facile. La population avec un seul mot, la France dégage. L'armée française dégage. La population, au lieu de marcher, sont en train de courir, tellement qu'ils sont pressés pour passer leur message. Une population conscientisée, majoritairement jeune. On verra ce qui va se passer dans quelques minutes. Hommes, femmes, enfants vieux ont décidé de passer les messages avec un seul message. La France, l'armée française, dégagée. Le Burkina appartient au Burkinabé. Cette foule là, regardez cette foule, avec un seul mot d'ordre, la France doit partir. On ne veut plus la France. La France doit quitter au Burkina Faso. Nous sommes toujours dans le camp de la porte jusqu'à ici. La population continue de migrer. C'est pas possible. Regardez cette foule-là, immense, qui demande le départ de l'armée française jusqu'à au camp. Nous sommes dans le camp. Hommes, femmes, jeunes, enfants. Regardez cette population immense qui dirige vers la grande porte de là où se trouve l'armée française dans le camp pour aller passer leur message.
une population non armée, mais avec un seul monde, la France doit dégager. Regardez cette foule. On ne sait pas. C'est combien de population qui est sortie. Vous pouvez les voir. Le camp est inondé par la population. On attend des gaz. On attend des gaz. Je vous ai dit qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais la population du Burkina Faso est décidée. Tout le Burkina est debout. La population continue de venir. C'est pas possible. On ne peut même pas compter. On ne peut même pas voir la queue. C'est une lutte définitive pour la population. C'est un jour décisif. La population est bandée. Avec un seul mot d'ordre, la France doit partir. Comment on va partir? Voilà, là, bio, tu as français. Est-ce que tu peux dire ça en français? Tu nous as tués. Tu tues nos enfants, nos frères, nos grands frères, nos familles. On n'est pas d'accord avec la France. Nous, on veut que la France n'a qu'à dégager au Burkina Faso. Vous êtes en train de diser vers le camp où se trouve l'armée française. C'est pour aller dire quoi? C'est pour aller les chasser. Ils n'ont qu'à quitter de notre pays qu'on ne le veut pas. On en est marre de la France. Voilà. On en est marre de la France. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes en direct depuis le Burkina Faso. La population continue de migrer. J'attends des tirs de gaz. Toute cette population dirige là où se trouve l'armée française dans le camp. Nous sommes au cœur du camp Kamboïse. La population continue de rentrer dans le camp. On ne sait pas ce qui va se passer, mais la population est déterminée. Come on, come on.
Vous êtes en direct depuis Ouagadougou, dans le camp Camboïsé, où la population pour aller déloger l'armée française. La population continue. La population, c'est la force de la nation. Les Burkinabés ont décidé qu'aujourd'hui et aujourd'hui, pas de négociation. Vous avez quel message à passer? À bas la France. Merci. La France voleur. Merci. Pierre. Merci. Tueur. Il n'a qu'à quitter. Que merci. Donc allez voler. Vous avez quel message pour nous? Ok, merci. La population continue d'insister. La population avec une seule phrase. La France doit dégager. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, vous voulez dire quoi? Nous demandons que la France quitte. Ce que nous voulons, nous leur demandons de prendre les bagages et puis de quitter notre pays. Voilà. Ok, voilà mon message pour la France. Merci beaucoup. La population continue de migrer. On va approcher, voir ce qui va se passer. Parce que c'est une décision finale pour la population. La population de Thomas Sankara refuse. Il veut acheminer le travail que Thomas Sankara a commencé. Oui, vous avez quel message pour nous, pour la Ligue de Défense Noire depuis là? Vous êtes quel? La Ligue de Défense Noire, vous avez quel message pour nous? Bon. On peut parler mongolais? Oui, je vais traduire en même temps. Oui. Voilà, bon. Nous sommes ici. Vous m'avez mis en cours d'une seule chose. Et la France, je m'avais. Parce que la France est ici. La politique de la France. Nous faisons l'armée. Avec l'armée de la France. La population n'est pas contente. Voilà, nous sommes là ce soir pour les demander. Voilà, tu es essayé de voir ce qu'il peut faire. Tu es tout même. Nous, on ne le condamne pas. Mais nous, on veut dénoncer. Voilà, tu es bloqué. Les insuffisances. Voilà, tu es bloqué. On les demande seulement de partir définitivement. Voilà, après. Après.
pile le gouvernement de Womtaba. S'il veut, il peut renégocier encore. Mais ici, pour le moment, il doit quitter. Merci. Okay. Merci beaucoup. L'Afrique avec la France est finie, est terminée. Merci. On les demande voilà. Pour rejoindre voilà. Pour vous donner aussi. Voilà. Pour le sens encore. Oui. Que c'est pas les Français même, mais la politique française, on les déteste. Voilà. Et les armées françaises, on les déteste. Merci. Mais pas les Français. C'est Dieu sur différent. Mais vous êtes, est-ce que vous êtes armé? Hein? Non. Mais comment vous allez les faire déloger? Bon, par la voix. S'ils sont sincères et fidèles. Comme c'est la vérité là. Voilà, c'est par la voix. Dis ça. Mais nous sommes où comme ça? Sûrement à Kamouensé. Quand de Kamouensé. Quand de Kamouensé. Là où voilà. Là, c'est on la va base directement sur leur caserne. Non. Donc c'est ici où se trouve le caserne de l'armée française. Voilà. Oui. C'est juste devant nous. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer ce soir? Bon, sûrement ce soir, nous pensons que ils vont nous entendre et puis plier leurs bagages. Quitter le Burkina. Mais s'ils refusent de partir. Pourquoi pas? Pourquoi ils vont refuser de partir? Par exemple, vous venez chez moi, louez une maison. Et à un certain moment, je vois que votre présence ne m'intéresse pas. Repliez-vous, où est le problème? Je ne pense pas qu'il n'y a pas de problème. Ou bien, tu es chez moi, je n'ai plus besoin de toi. Donc, il faut rentrer chez toi. Parce que sur là, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc la population est décidée. Nous viendrons. La population de Thomas Sankara, la population de Patrice Lumumba, la population décide que l'armée française de dégager dès ce soir avec un ultimatum de 24 heures. Merci à la population. La vaillante population est là. Oulamo, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jusqu'à Ocasienne, là où se trouve l'armée française. Je vous invite à suivre en direct. On ne sait pas ce qui va se passer, mais d'ici peu, on verra. On verra. À tous ceux qui viennent de nous prendre un chemin décisif de la population burkinabé pour aller déloger l'armée française au camp Kamouensé. À Dapoya, donc la population est ici. En train de migrer vers le caserne. Avant d'arriver, l'armée loyale, l'ISA, n'a pas été facile pour la population. Jusqu'à ce que la population persiste et on finisse, la population est rentrée dans le camp. Ils sont en train de diriger vers le caserne où se trouve l'armée française. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on verra. La population continue encore de migrer. Vous avez quel message pour nous, bonsoir? Le convoi arrive. Ok, ok. Le convoi arrive. Ok, pas de problème, merci. Donc, il y a un convoi en cours. On va attendre le convoi pour voir le message que le convoi a. Donc, je m'en vais au caserne pour voir ce qui va se passer. C'est pas facile, mais d'ici peu de temps, nous saurons ce qui va se passer. Nous sommes en face du caserne. Voilà. Voilà cette population. On ne sait pas ce qui va se passer, mais la population décide tant qu'ils ne passent pas, tant qu'ils ne quittent pas, ils ne vont pas repartir. Nous sommes devant
le Kazen, de là où se trouve l'armée française. La population face à l'armée française. Un avion qui sillonne le ciel. Vous pouvez constater ça. C'est pas ce qui va se passer, mais c'est un jour décisif pour la population. On vient de passer au contrôle. Au ciel, en train de sillonner, en train de prendre des photos. Voilà l'avion. Voilà l'avion. La population a décidé. Yeah!
Vous avez quel message pour nous? Bonsoir. Non, bonsoir. Nous, le message, c'est simplement. Nous voulons que les produits français n'ont pas qu'il faut vous dire la partie. C'est ça notre message, c'est pas compliqué. C'est très simple. Voilà. Les choses qui sont là, les Français là, nous voulons que n'ont pas qu'il faut vous dire la partie. Et quand ils sont à France, si c'est vous dire, si c'est pas France. Voilà. Les caoutchoucs. Et les caoutchoucs là, bon, c'est... quand j'étais là comme cela, à un moment donné, si ça arrive à tirer, moi aussi je tire. Voilà. Message qui veut passer, on va écouter le message. C'est que vous êtes ici ce soir. Les Français demandent 5 ans. L'idée qui vont rentrer dans le camp, dans le caserne, pour échanger avec eux. Et ils sont là pour les écouter, et ils sont là pour les respecter. Et ils savent qu'ils sont venus sans les armes. Donc ils décident, c'est un leader de venir, ils vont échanger. On attend les leaders. Ils ont lancé. Je vous demande pardon. On va choisir 5 personnes. Ils vont rentrer passer notre message. On vous demande de ne pas faire un tour du camp, de ne pas rentrer dans le caserne. Vous savez que le camp est miné.
de vous méfier du camp, de vous méfier du gazen. En tout cas, notre message est passé. De la place des nations, vous êtes ici. Donc, vraiment, la Russie est au courant. Même en France, il y a des gens qui nous suivent. Déjà, ne faites plus de bruit. Laissez, quand on va désigner les 5 personnes, vous allez passer. Ils vont passer, rentrer, de mettre nos paroles, ce qu'on a décidé. Voilà. Que de ne plus faire de bruit.